Ça moi ici qui savon, on va acheter petit bout de savon pour 6 dollars par savon. Il va qui met. Un bois maré à ta des oreilles, nous yo maré nous là. Quand il a couché que petit malé réel pas levé. Bon, il va pas doué rien, tellement grand goût. Gagnon ancien ministre justice dans pays la France qui expliquait qui va les trahir pays d'Haïti. Passé en bas main la France ak les États-Unis d'Amérique. Nous pral vini avec ça que dio. Et puis à la fin n'a vini tout avec trahi que politicien la kay nou fait pays d'Haïti passé. Et puis en conclusion ou après que pays a li pata capable l'autre gens que Jean que lié là. Et ça va le permettre tout comprendre que nous supposons prendre conscience. Moins prier nous en grâce. Gardez cette première minute vidéo ça et une fois qu'on regarde cette première minute yo, on croit qu'on va regarder toute reste vidéo et surtout on partager le tout pour l'autre amis capable garder capable tendre capable partager avec l'autre monde tout parce que c'est extrêmement important nous pour le comprendre les amis. Mais pas oublier abonnez-nous avec chaîne YouTube ça pour nous capable toujours être connecté. Non pas c'est Wendy Fell. Christian Taubira dit en pile bagaille dans livre ça qui c'est l'esclavage raconté à ma fille. Dans page 109 livres ça, Christian Taubira a fonti parler de pays d'Haïti. Qui ça le dit? Ça c'est juste histoire nous comprendre, mais ça qui est intéressant yo vin tout de suite. OK? Tendez ça. Christian Taubira dit: "Yo oublié que Haïti ancienne colonie ça que ont relé Saint-Domingue ou bien Hispaniola. Yo te considéré zone ça, yo te considéré ancienne colonie ça comme étant l'appel des Antilles à l'époque. Yo oublié que ancienne colonie ça, li t'a pral proclamé indépendance li en 1804 après plus passé 13 années bataille, 13 années de guerre côté garçon a tombé. Yo oublié ça. Li continue pour le dire. M'a parlé de Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice dans le pays la France. Il continue pour le dire. La France impériale n'a pas accepté que Toussaint Louverture, Dessalines, Pétion à Christophe, mettait en déroute les grands soldats de Napoléon Bonaparte. La France n'a pas accepté ça. Pour raison ça, qui ça la France t'est fait? N'a pas cité mot pour mot Christian Taubira, ancienne ministre de la Justice, pays la France qui a parlé. Il dit pour raison ça, puisque la France impériale n'a pas accepté les faits là, il était tenté plusieurs fois pour te remettre la patte sous colonie. Et qui est fait ça après le gain sur Haïti? La France, parce que le Tévelé reprend pays d'Haïti, il était forcé jeune république ça, il était forcé le dépenser une quantité d'argent, mais vraiment en pile d'argent pour te construire une série de forts à citadelle. Objectif là c'est pour te éviter une défaite et surtout le rétablissement esclavage dans colonie hein, si toutefois français ont voulu retourner. La France, ouais, il pas qu'à reprendre le pays, qui ça le bras le fait? N'a parlé de Christiane Taubira. Mais ça qui est intéressant, yo, là, son histoire n'a fait, mais ça qui est intéressant, yo vin après. Ok? Partagez vidéo. La France, ouais, il pas qu'à reprendre le pays, qui ça le bras le fait? Selon Christiane Taubira, la France pral imposer un embargo sur Haïti. Il pral exiger que Haïti paye Lyon Cob, nous connaît ça. Ou paye la France là à l'époque, qui ça monsieur pral fait, il pral justifier l'agence ça
en prétendant que Kobza li pa représenté en rien devant toute sa colon français. Yo te perdi dans période coupe tête boule caille qui t'a pral mené Haïti, qui t'a pral mené ancienne colonie hein, vers indépendance. Qui t'a pral créer nation ça en 1804. Et c'est comme ça, selon Christiane Taubira, le 5 juillet 1825, soit 21 l'année après indépendance et pays d'Haïti, yon indépendance hautement et chèrement conquise, selon ça l'écrit, la France, conduite à l'époque par Charles X, li pral exige à Haïti yon forte somme l'argent pour être capable de reconnaître li comme yon pays à part entière, comme yon pays tant que tout l'autre pays. Il continue pour le dire. En contrepartie de cette reconnaissance, la famille oua pays la France là à l'époque, il était forcé Haïti engager pour le bail la France 150 millions de francs or pendant 5 années. Ça pourquoi j'aime un devant ça qu'il dit là. Ça veut dire 30 millions chaque année pendant 5 ans pour dédommager soi-disant colons. OK? Vous voulez bien comprendre. Christiane Taubira dit la France exige à Haïti pour le bail 150 millions de francs or pendant 5 années. Ça veut dire 30 millions chaque année pendant 5 ans pour dédommager colons. Yon exigence que président pays d'Haïti, Jean-Pierre Boyer, était accepté. Dans le même moment, la France était exigé que Haïti réduit à moitié une série de taxes que l'État gagne pour payer à l'État haïtien comme droit de douane chaque lait que la France l'État vlé ou bien l'État souhaité faire entrer une série de produits français sous territoire haïtien. Est-ce que vous entendez? En même temps, la France exigeait comme là, la France l'y imposer à Haïti, exiger que Haïti supprime les droits de douane et on prend pour le capable faire produits français entrer sous territoire librement. Ça veut dire qui ça? Christiane Taubira écrit. Il dit ça veut dire non seulement Haïti endetté tête li mais dans même moment la perdu une série de recettes qui était capable permettre que le rentre comme pour le payer dette ça que il était fait. Ça t'apprend le pi enragé dans bagaille là selon Christiane Taubira c'est que dans moment ça et c'est ça pi important les amis dans moment ça que Haïti a payé 150 millions à la France pendant 5 années là budget annuel pays la France en bon créole budget pays la France pour yon année c'était 30 millions de francs n'a pas rappelé que Haïti gagne pour le payer. Il était exigé que Haïti paye 150 millions sous 5 ans. Ça veut dire 150 divisé par 5, ça fait 30 millions. Et budget annuel pays la France, dans période là, c'était 30 millions. Christiane Taubira qui ça le fait conclut que la France il t'a demandé à 900 000 haïtiens nous t'es fait indépendant, t'es fait exister comme pays dans période là pas de grand pile monde nous t'es 900 000 haïtiens seulement que t'as vu au territoire. Donc Christiane Taubira dit la France li exige à yon jeune république qui sorti dans la etc pour c'est-à-dire li exige à 900 000 haïtiens pour t'es occupé pendant 5 ans la France entière. Christiane Taubira dit, les amis, m'a reprendre. La France lui mandé à Haïti, à 900 000 Haïtiens, pour occuper pendant 5 années l'ensemble besoin de une grande nation qui était 25 millions d'habitants à l'époque. M'a reprendre. La France lui exigeait à Haïtiens pour occuper pays la France à tout ça que le gain la donne pendant 5 années. Le haut du budget annuel yon pays, ça veut dire la mela dan, moun yo la dan, et exécutif, parlement, etc. Baronne, tout ça yon la dan, tout ça que l'État français, tout fonctionnement l'État français, c'était Haïti qui te paye pendant 5 l'année ça yon. Est-ce que vous entendez les amis? C'est pas moi qui dis, c'est Christiane Taubira. Il dit, la France, li exige à 900 000 haïtiens pour occuper
pendant 5 l'année ensemble besoin de yon grande nation qui te gen 25 millions habitants à l'époque. Li continue pour le dire, m'a parlé de Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice qui écrit ça m'a dit là yo dans livre que l'écrit qui titré l'esclavage raconté à ma fille à la page 100 910 etc. Ouais ça m'a dit là yo. Li continue pour le dire. Ça peut que j'aime rien. Plaisanterie, il pas te faire l'autre bagaille que commencer. Injustice là, il pas te faire l'autre bagaille que commencer parce que injustice ça que la France fait pays d'Haïti, il pas durer uniquement 5 ans. C'est Christiane Taubira qui a parlé. Il dit ça pral tout pays d'Haïti net là, c'est que pays qui saute dans la guerre, qui te saute dans la guerre, il pas gain cob. Elle t'a perdu recette à cause la France t'est forcé de retirer droit de douane sur une série de produits qui a sorti en France pour entrer dans le pays d'Haïti. Eh bien, qui ça Haïti t'a pral fait? Haïti t'a pral obligé livrer tête li dans une série de acrobaties périlleuses pour être capable de prêter une série de fortes sommes d'argent pour être capable de payer la France. Et fortes sommes d'argent ça yo, Haïti t'est prêté yo avec une série de taux d'intérêt très élevés. Entre 20 à 30% pour être capable de bailler la France comme que Chaldis était exigé pour le reconnaître, pour te reconnaître l'indépendance pays d'Haïti. Et qui ça pral passé? C'est que l'État haïtien, au début, lui prêtait premier l'argent. L'elfin prête l'argent ça, yon titan après, lui obligé prêter yon l'autre l'argent. Pour le café qui ça, pour le café, premier l'argent que l'on t'a prêté à. Ainsi de suite, c'est comme ça, Haïti pral lance le nom spirale de dette, il pas bien sauté là-dedans. La preuve, selon sa Christiane Taubira dit, yon siècle après, bah, elle a passé en 1825, en 1925, près plus de 100 ans plus tard, Haïti potko jam fin paye comme ça. Il était payé seulement 80% dans cob là à qui ont parti dans intérêt l'argent. Ça veut dire qu'on pile cob que Haïti pour fin payer etc etc. Ça enragé selon sa Christiane Taubira dit dans qui banque ou pensez Haïti de prêter cob ça dans on série de banques françaises, on série de banques là qui dans région parisienne. Et Christiane Taubira en conclusion, il dit c'est injuste. L'agence que la France t'a fait Haïti PIA et c'est un bagaille qui participait dans mettre Haïti dans ça que lié là. Ça c'est premier bagaille nous capable dire si n'a gardé histoire d'Haïti faut que nous ouais ça. Si n'a gardé problème pays d'Haïti faut que nous ouais ça. Sorti 1825 pour arriver 1925 nous bon cob n'a payé etc. Mais en 1925 pas oublier nous sous occupation américaine hein. Parce que Amérique a débarqué dans le pays en 1915 à cause de folie pouvant essayer de hommes politiques haïtiens. Nous pralvini avec occupation américaine. Parce que Christiane Taubira également dans le livre là parlait de occupation américaine. Qui ça dit? M'a pli pour nous en français et puis après m'a bien en créole avec nous pour nous bien comprendre. Christiane Taubira dit: il faut dire que ce pays en a vu. Il a supporté la dynastie des Duvalier et sa milice tristement célèbre, les Tontons Macoutes. L'armée américaine a occupé cette moitié de l'île de 1915 à 1935 au nom de la doctrine de Monroe. L'Amérique aux Américains qui fait de la Caraïbe et de l'Amérique centrale l'arrière-cour des États-Unis. Le jour même du débarquement, et c'est ça le plus important, le jour même du débarquement, une unité de marine s'est emparée 2 millions de dollars en or confisqués d'autorité à la Banque nationale haïtienne et aussitôt transféré aux États-Unis par la canonnière Mathias qui avait transporté ses soldats de Miami à la rade de Port-au-Prince. Est-ce que vous entendez? En bon créole, qui ça le dit? Il dit pays ça, ouais, tout coulé. Après, il finit supporter, il supporter dynastie des Duvalier, etc. Et puis, il retourne en arrière. Pour le dire, l'armée américaine était occupée pays ça de 1915 à 1935.
au nom de ça aurait les doctrines Monroe qui dit que Amérique là c'est pour Américains au collier. Il dit même jour premier jour que Amérique au débarqué dans pays d'Haïti, yo volé hein, gon unité Marines américains qui volé $1,000,000 en or que l'État haïtien, que Banque nationale pays a été confisqué. OK? Premier jour que Américains ont débarqué, selon Christian Tobera, ils ont volé $1,000,000 que l'État haïtien a confisqué dans la réserve. Li. Et ils ont pris, ils ont volé l'argent, ils ont pris, même jour, ou bien aussitôt, ça veut dire un petit temps très proche, ils ont transféré l'argent ça aux États-Unis dans le même bateau qui était mené Marines américains dans Port-au-Prince. Est-ce que vous entendez, les amis? Ça veut dire qui ça? De 1825 à 1925, nous devons l'argent. L'État haïtien l'a endetté tête pour le payer l'argent. 1915, si l'argent que Haïti te gagne en réserve l'IA, Américain paraît là où voler l'argent. $1,000,000, hein? $1,000,000. Page 112, livre là, hein? Page 112. Et puis il continue pour le dire. L'a montré misère que pays a passé en bas, mais les États-Unis et puis la France. Il dit dans les années 1970, sous le prétexte fallacieux d'une fièvre porcine supposée, les autorités américaines ont fermé leurs frontières à l'importation de porcs haïtiens, exigeant que soit abattu tout le cheptel sur l'ensemble du territoire, éliminant cette viande qui avait l'insigne défaut d'être très compétitive. Depuis, les Haïtiens importent et consomment du porc des États-Unis. Bon, on va dire rien encore. L'Elfine parlait de l'occupation américaine, que Negio volait $1,000,000. Il dit, dans les années 1970, Negio créait un faux prétexte, hein, du fièvre pour si cochon, un fièvre, etc. Cochon est malade, etc. Cochon créole est malade, ok? Il dit qui ça? Autorité américaine, il a décidé de fermer frontières. Pour que haïtien, pour que l'État haïtien, pour que pays d'Haïti pas avoué viande cochon dans pays États-Unis. Et qui ça a fait? Yo exigé américain, oui, yo exigé que yo touye tout cochon dans pays d'Haïti, tout cochon créole non yo. OK? Pour qui ça, selon Christian Taubira, éliminant cette viande qui avait l'insigne défaut d'être très compétitive. Viande n'a pas de gain en vrai, seul défaut que viande n'a de gain, cochon créole n'a de gain, c'est parce que elle était très compétitive sur marché. On pas pral plus loin. Ça c'est deuxième bagaille, troisième bagaille que Christian Taubira montrait que pour faut comprendre que Haïti son pays qui souffre en pile dans même monde ça. Dans mes pays ça, la France, les États-Unis d'Amérique. Ça me parle dit là, c'est pas lik di lo dans livre là. Troisième bagaille qui mettait Haïti dans tintinade que hier journée jodi a, c'est politiciens et c'est vieux politiciens nous. Depuis 1804, c'est même politique à mener. Crasé, brisé, etc. Folie pouvoir fait nèg dans le pays d'Haïti depuis 1804. Pas fait l'autre bagaille que contribuer dans mettre dans malpropreté que nié journée aujourd'hui. D'une part, ou fin joindre international, des pays à l'échelle internationale qui pèsent nous. Et puis d'autre part, ou joindre politicien haïtien craser pays a cap essayer craser pays a dans intérêt personnel yo. La preuve sorti 1804 rivé 2019 nous gen à peine on cinquantaine président dans cinquantaine président ça les amis nous gen près de 28 présidents qui prend coup d'état que renversé qui pas jamais fini mandat. Et si n'a pas compté président qui renversé, ça mouri au pouvoir, ça yo touyé, ça yo exécuté, ça yo assassiné. Nous gagnons les amis, wap saisi tendez ça. OK? Wap saisi tendez ça.
9, 10, 11, 12, nous gagnons presque 40 ou bien 42 présidents que nous avons touillé, ok, yo assassiné, et puis yo renversé, yo bas au coup d'État. Dans liste président que pays ça a connu, à peine si nous avons une dizaine, ok, une dizaine qui finit mandat correctement. Et parmi chaque fini mandat, c'est ou jouen environ 4 qui te fin mandat, c'est parce que Américain t'a gouverné pays là. T'es occupé territoire là. Est-ce que nous bien comprendre? Ça veut dire, depuis plus passé 200 ans, même politique ou ouais, qu'on a fait là, c'est les mêmes qui te qu'on a fait. Je te dis déjà, dans plusieurs lives que je fais, je reprends ni la boue. Parce que m'ta parlé de problèmes des pays au niveau international gain avec nous, et puis m'vinn montrer nous au niveau interne nous-mêmes tout nous contribuer dans mettre Haïti dans état que lié là. C'est une façon pour me dire nous en unis nous, li l'heure li temps pour nous unis nous. Unissons nous les amis pour finalement nous créer l'état ça que n'a cherché depuis 1804 là. Parce que le map gardé ça fait dans le pays depuis 1804, les amis. Vous dites tout, qu'est les Haïtiens, ils ont un bagage qui a cherché pour qu'on joigne. Ils ont l'État, ils ont une façon de faire qui a cherché pour qu'on joigne. Mais cette façon de faire, pour nous joindre, nous ne pouvons pas. Mais l'unique façon pour nous joindre, c'est si nous mettons tête nous ensemble, si nous unis nous pour nous dire Paysa, c'est pays nous que lié et pas une pièce monde qui a changé le si que nous-mêmes nous pas choisi mettre tête nous ensemble. Non pas me c'est Wendy Fell, sur mes vidéos ça, partagez-le dans tout groupe WhatsApp, tout groupe Facebook et puis abonnez-vous avec chaîne YouTube là. Nous garantissons toujours une série de petites vidéos comme ça. Je vous aime.